Mais oui, chérie, je n'ai pas oublié. Je sais que lui, on a l'anniversaire dit à ta sœur. Mais bon, la carafe, comment ça se passe le samedi soir avec les consultations? Je suis toujours débordé, dit Marar. Mais bon, d'abassalit. Bon, écoute, je suis arrivé à ma voiture, je me dépêche et dans environ une heure, je serai là. Ok? Je t'aime aussi. على راسي كاع اللي سبعان زهر. واش انت كتقدر في الناس كل نهار وعاد زايدها في السعايا؟ وشكون قالك اصلا انا كنامن بالزهر؟ الو كي؟ اه وي اسيا جو فوزي با ريكوني. كيس كي سباس؟ بوكوا فو بلوري؟ À notre première consultation, je vous ai déjà dit que votre fils souffrait de graves maladies psychiatriques. Bien. Et qu'il ne fallait pas négliger. Attendez. Ça fait 3 jours qu'il n'est pas sorti de sa chambre. Bon, ça me dérange beaucoup, mais je peux pas me déplacer. Bon, même qu'il est chadar intime, hein? Bon, écoutez. Calmez-vous. Anna Radinji, je prends des calmants ou je serai. J'arrive tout de suite dans 5 minutes, ok? Ok. Désolé, j'avais du mal à trouver votre appartement. Je m'excuse pour ce léger retard. Je suis désolé, je crois que vous faites erreur à Sidi, au revoir. Attends, Assia, regardez-moi. Moi, c'est Youssef. Tout va bien. Tout va bien. Calmez-vous. Regardez-moi. Respirez. Okay. Je peux entrer? T'es sûr? Non, je suis pas seule. Assia, regardez-moi. Vous n'êtes plus seule. Un mec. Ok, je vais vous aider. Mais il faut que vous vous calmiez. Je suis pas seule. Assia, calmez-vous, sinon je m'en vais. Non, là. Non, laissez-moi lui parler. C'est mon métier. Je sais rassurer mes patients. S'il vous plaît. Okay. Oui. S'il vous plaît. Ok. Pourquoi vous avez autant d'horloges?
mari était horloger. Il était passionné. Allez, ouvre-moi. C'est Youssef, le psychiatre. Je suis là pour t'aider, ok? On est tous là pour toi. Pourquoi il répond pas? Elle souffre de mutisme sélectif. Hein. C'est un trait typique des agoraphobes. Et pourquoi il s'enferme comme ça? Entre autres, ça les sécurise, hein, ça les rassure. Putain, je vais devoir appeler les pompiers. Je lui ai pas donné de nouvelles. Ok, je peux vous laisser un petit moment tout seul. C'est sûr. Ok. Bon, tu sais que c'était important pour toi, mais écoute, j'ai une urgence. Non, tu peux pas me demander ça. Même qu'elle est chelou, elle est sous l'état de choc. Ou elle a dit chelou, ça fait 3 jours. Ouais, tu comprends bien qu'il s'agit d'un cas sérieux. Ça, les gens ne réagissent pas de la même manière face au deuil. Alors, il y en a ceux qui s'en remettent pas. On vit dans une société de merde. Où le temps est qu'il n'y a pas de temps. Écoute, dans la vie, il y a des priorités. Une des priorités, il y a la vie humaine. Écoute, Je te rappelle. Petit cœur. Maman t'a préparé ta boisson préférée. Du bon chocolat chaud. Avec du lait de soja. Et des petites graines de pistache. Viens. Viens voir maman chérie. Tu te rappelles, bébé, de la chanson que je te chantais quand tu étais petit? Petit joli tic-tac. Pourquoi es-tu pressé? Tu joueras encore toute la soirée comme un désespéré. Vous entendez le bruit du temps? Ah oui. Venez, je vais vous aider à vous allonger dans le salon. Ok. D'accord. Je vous le promets. Venez. Buvez ça. Ça va vous faire du bien. Ce n'est qu'un calmant. Terpille. Attardera des tatsai. J'aimerais vous proposer quelque chose. Vous me faites confiance. Bien. Ok, bien. Dernièrement, j'ai remarqué que vous étiez trop fatigué, même instable. Le cas de votre fils est un peu délicat pour ne pas dire compliqué. Croyez-moi, j'ai réfléchi longuement à la situation d'Yalkoum. Comme vous m'avez dit lors de la première consultation, que ma prochaine conférence, il est exactement l'Igabelkoum. Et je pense que le mieux serait que vous internez tous les deux. Ah non, s'il vous plaît, ne vous fermez pas sur cette proposition parce que l'homme a qu'un chemin slatkoum, ma kunchratin tlbamnik. Pensez à Ali.
Il a besoin de sa maman. Votre fils a besoin de vous. Tiharop, une maladie qui le dévore. Anaradin koun meakoum. Ok? Le directeur de l'établissement est mon ami. Vous serez bien soigné. Ok? Merci, docteur. Merci. Ah non, non, mais je vous en prie. Reposez-vous, Anna. En attendant, je vais en profiter pour aller voir Ali, ok? D'accord. C'est bon. Okay. Ali, n'aie pas peur, c'est moi. Je suis ici pour vous aider. Ben, je sais que c'était pas facile, Ali. Là, la maman, quoi, qui n'a pas l'habitude de te battre pour surmonter tes angoisses. Yak. Ali, Anana pour toi, mon grand. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Ali. Ali. Tu m'entends? Le 12 décembre 2023. Chère Lily, aujourd'hui encore en sortant des cours, j'ai demandé à maman si je pouvais participer avec toi au concours Valse sur glace. Malheureusement, elle a refusé. Puis il m'a fait la morale en me disant d'arrêter de penser à ce genre de concours et de me concentrer sur le cours et le tennis. Aujourd'hui encore, j'ai pensé à papa. Quand la maîtresse m'a crié dessus devant tout le monde en classe, car je ne l'ai pas rendu le devoir de maths. Lily, il n'y a que toi à qui je peux dire tout ça, car tu es la seule qui me comprend. Je te demande de m'excuser, mais je n'ai pas pu tenir la promesse que je t'ai faite. J'avais trop envie de revoir papa. Juste une dernière fois. Allez, Sharad. Allô? Oui, je suis toujours à l'appartement. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Le garçon est mort, probablement il y a 3 jours. Si, à la Zaradna. Mais bon, la maman est toujours là. Ok? À part des petits problèmes mentaux, les organes d'Yala, Mazaline, ont parfait état. Je pense, Anda. Au plus, ben surtout elle est jeune. Oui, 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 elle est déjà d'accord, ben je trolle l'hôpital d'Yalk. Oui. Tu sais, Atata d'abord, calme-moi, Arakafnes. Ahsan haja, mais elle est à Wahdli Soul, Fiham la Ila. Tchajab Kamouna.